Salut à toutes et à tous, ici Farikon pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour le deuxième épisode de ce let's play sur Emergency 2017 pardon, en mode carrière. Donc pour le moment je n'ai pas encore eu vos retours sur le premier épisode vu qu'il est au moment où je parle en cours d'upload, vu que j'avais envie de continuer à jouer à ce jeu en ce dimanche après-midi. J'avais envie de m'occuper et je me suis dit allez hop, on va faire du Emergency vu que j'ai déjà fait beaucoup de bus simulator. Donc la dernière fois on avait sauver des personnes qui étaient dans un accident de tramway. Nous avons aussi vu les bases du jeu en regardant, enfin, en participant au petit tuto. Et là nous allons commencer tout de suite avec une nouvelle intervention. Alors avant je viens de voir ici on avait une petite information, nouveau véhicule d'intervention disponible. Nous avons accès à des médecins urgentistes supplémentaires, des ambulances supplémentaires, à un camion échelle pivotante. Nous avons actuellement que 900 crédits donc on va garder notre argent. Pour le moment on en a deux, une voiture de police, deux voitures de police, je vais y arriver. Ok, bon allez c'est parti, on remet le temps. On attend la prochaine intervention les amis. Un ouvrier a été heurté à la tête par le godet d'une pelleteuse. Soignez-le et emmenez-le à l'hôpital. Allez hop, c'est parti, on commence avec une première intervention. J'ai quelques likes, j'espère que ça ne vient pas du fait que j'upload une vidéo en arrière-plan. Du coup tout de suite je me mets en pause, faut que je change cette touche parce qu'elle est vraiment merdique d'accès. Donc on envoie tout de suite une unité médicale et tout de suite une ambulance. Play, c'est parti, mon kiki. Et je crois que pour le moment on fait les missions d'Emergency 2000, enfin Emergency 5 pour le moment on fait les missions. Après je pense que ce sera les missions d'Emergency 16 et, enfin 2016 et après on passera au Emergency 2017 à mon avis. Je dis peut-être une connerie, mais c'est comme ça que je visualise la chose pour l'instant. Allez, au boulot. Oui. Okay, tac. Bon. Donc comme toujours les amis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces let's play. Vu qu'il est tout nouveau sur la chaîne, je n'ai pas encore eu vos retours du premier épisode, mais j'ai hâte de les avoir vus. Vu le nombre de vues et le nombre de likes qu'il y a eu sur la vidéo découverte de ce jeu, qui est un jeu juste énormissime les amis. Qui est un mélange de jeux de simulation, gestion. C'est un petit jeu indépendant, même si c'est quand même déjà un gros développeur vu qu'ils sortent un jeu tous les ans. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Bon, vu le moment où on en est, ça sert à rien de faire venir une voiture de police pour la circulation. Les gens vont bien attendre de 3 minutes. Pour une fois, ils sont bien garés en plus, c'est rare. Alors, qu'est-ce qu'il a notre petit blessé? Il a une fracture à la base du crâne en même temps s'il s'est fait heurter par une pelleteuse, mon coco. C'est pas censé arriver sur chantier ça normalement. Personne ne doit être dans la zone de rotation de la... Comment s'appelle? De la pelleteuse, mais bon. Et ils sont censés avoir des gilets jaunes. Toi t'en as pas, toi t'en as pas, toi t'en as. C'est à peu près... à moitié en tort. Allez, hop. On va dans la tuturette. Toi, tu te casses. HQ. HQ, je t'ai dit. Merci. Je sais pas c'est quoi le point d'interrogation dessus. Ok, c'est pour savoir les informations sur les véhicules. Ok. Oui. C'est bientôt aller au HQ aussi. Tac, c'est parti. Donc c'était une petite mission facile. L'ambulance emmène la victime à la base. Ok, ça, donc ça je peux y cacher. C'est juste les dialogues qui sont écrits en... Et emmener la victime à l'hôpital. Déjà? En fait on était juste à côté quoi. Oui en effet, d'accord. Plus de 100 crédits, good. Allez on va attendre la prochaine intervention les amis. On va pas acheter des véhicules pour l'instant. Explorer un peu la map en attendant l'intervention. Deux skieurs sont entrés en collision à la station de sport d'hiver. Secourez-les, soignez-les, puis emmenez-les à l'hôpital. Tac, donc pour le moment c'est que des interventions médicales les amis. Ce sera fait. J'ai l'impression de les avoir déjà faites dans le passé, c'est un truc de malade. Mais bon. Peut-être que je me trompe. On va prendre qu'un seul. Oh, allez, on va prendre la deuxième unité médicale au cas où. Tout de suite. Tac. Allez, on va accélérer pour qu'ils arrivent vite. On va aller voir un peu à quoi ça ressemble, station de ski. Ah, on arrive au bord de la map. Dommage. C'est joli, joli, tout plein. La neige. D'ailleurs, pendant qu'ils arrivent, hop. SOS. Incendie de véhicule, cause inconnue. Éteignez tous les foyers d'incendie. Au besoin, soignez les victimes et enlevez les carcasses de véhicules. Ok, donc on a un deuxième accident en cours. Oula, en station-service. Donc on va tout de suite se dépêcher. Là, il n'y a pas photo. On va se bouger le fion. On va en envoyer qu'un seul pour le moment. Ici. Flic. Non. Et là, faut vraiment que je me dépêche sur une station service. Ça peut engendrer de gros soucis. Et ça, ce n'est pas cool, les amis. Ok, donc on a un véhicule qui est en route. Ici, les premiers arrivent. Je sais plus ce que je disais avant qu'ils nous interpellent, mais bon, c'est pas grave. Donc ouais, je disais aussi, comme je l'ai dit dans mode découverte, c'est qu'on peut pas avoir plus de 2 interventions simultanées. Et ça, c'est cool. Donc ouais, pour le moment, ça me fait un petit peu penser au mode libre. On a un peu d'interventions à tout voir. On n'a pas les grosses... On n'a pas les grosses interventions. Je ne sais pas encore pourquoi. On va voir. Hop, je crois que de souvenir, c'est comme dans le 4. Faut acheter les véhicules nécessaires pour effectuer les grosses interventions. Là pour le moment on n'est pas obligé de faire les grosses interventions. On va faire des petites interventions qui vont nous permettre d'avancer tranquillement. Et on va attendre que le camion de pompier arrive. Rapidement si possible. Parce qu'un incendie d'un véhicule en station service c'est jamais drôle. Allez dépêche-toi mon coco. Là on peut plus attendre. Vas-y dépêche-toi pas surtout. Ok, hop, sortez de là-dedans. Tac, toi c'est R. R. Allez, dépêchez-vous les enfants, ce serait cool là. Je suis prêt. Tout de suite. Que se passe-t-il? C'est en cours. Faut leur refroidir à côté à mon avis. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Donc ça va, chacun se met sur une borne. Ok, donc ça c'est cool, lui commence l'extinction juste à temps. Là, les deux ont été soignés sur l'autre incendie. Donc toi, oui, hôpital. Oui, oui chef, j'attends les ordres. Ok. Donc voilà, c'était des petites interventions faciles, ça c'est cool. Incendie. J'adore la texture des véhicules, c'est un truc de psychopathe les amis. Je sais pas pourquoi j'adore ce jeu, il est tellement magnifique. Donc toi... J'écoute à l'hôpital de la base. À vos ordres. Oui, j'attends les ordres. HQ c'est E. Ok, là il va se débrouiller tout seul. Ok, donc l'incendie a été éteint, donc ça c'est cool. Vous rentrez dans votre camion. On va faire venir aussi. Hop, une dépanneuse. On a eu de la chance, ça aurait pu être un incendie qui soit beaucoup plus dangereux que ça. Heureusement, c'était qu'un petit. Donc ça c'était cool pour le moment. On verra donc bien comment ça se passe, les amis. Ce jeu est magnifique. Dommage qu'on puisse pas zoomer encore plus sur les détails, mais bon. Sapeur-pompier. Carrément enfin, ce que j'ai estimé avec ce jeu, c'est qu'ils ont tout traduit. Ils ont aussi bien traduit les textures que les voix, tout a été traduit. Et ça, c'est hallucinant pour un jeu. Et c'est tellement cool concrètement. C'est un truc de fou. Allez, on va attendre l'ambulance. Enfin, l'ambulance. La dépanneuse est en cours, on va pouvoir accélérer. Non, on n'a pas de risque qu'une nouvelle intervention se déclenche, ça c'est bien. C'est vrai que c'était ça que je regrettais dans le 4, c'était qu'il y avait trop d'interventions simultanément et du coup bah, au bout d'un moment on était obligé de perdre parce qu'on ne pouvait pas toutes les gérer. Et on était obligé de faire un choix, ce qui était fort dommage. Allez hop, allez, emmène-nous lui. Oula, petit bug de collision. Le gros bug de collision. Allez, embarque ça. S'il te plaît, dépêche-toi. En même temps, je suis con, j'ai dépêche-toi, mais si j'accélérais un petit peu la vitesse du jeu. Voilà, hop. Lui, il rentre, ça c'est cool. Donc ça, c'est fait, on pourra remettre vue sur la base. Voilà. Magnifique base. Je sais pas s'il y a des bateaux. Je sais que dans le 4, il y avait des bateaux pour faire des incendies, incendies de bateaux ou autre. Donc on verra. On a 1100. Je pense qu'on va pouvoir acheter... Merde, je suis en train de penser que j'ai pas mis de timer. J'ai dû louper au moins 5 ou 10 minutes. Même bien 10 minutes à mon avis. Attention au pickpocket. Une personne a été détroussée et le voleur est en fuite. Trouvez et arrêtez le coupable. Alors, on a un pickpocket. Le criminel essaie de quitter la zone d'intervention. Arrêtez-le tout de suite. Donc il court dans cette direction, donc du coup on va prendre un véhicule de police qui va l'attendre ici. Allez hop. Et je vais rester dessus au cas où. Voilà, donc pour le moment dans cette vidéo on va essentiellement essayer d'avoir de l'argent. Donc là on en a, on va pouvoir donc acheter un nouveau véhicule qui va donc nous permettre de débloquer une nouvelle grosse intervention. Donc ça peut être pas mal, je pense qu'il faut juste acheter la ladder pour ça. On va peut-être attendre un peu, on va voir. Allez, dépêchez-vous les flics. Oui chef. Petit TGV. Ça va être un plein sous le pont, je le sens bien. Ok, les flics arrivent. Et ça va être un pile poil sous le pont. Ça va bien me faire chier. Tac, allez. R. J'ai compris. Que se passe-t-il? Alors hop, allez, on va mettre sur 0. Là il va me falloir quoi? Est-ce que je sors le flingue? Alors toi tu vas sortir ton flingue. Et toi tu vas sortir la bombe lacrymo. Ok, comme ça, les deux, tac, tac. Un carambolage est survenu. Oh. Désincarcérez les conducteurs de leurs véhicules. Occupez-vous des blessés et nettoyez le site. N'oubliez pas de garder un œil sur votre liste des tâches pour voir ce qu'il reste à faire. Ouais, bah ça je m'en occuperai après, je peux pas tout faire en même temps mon coco. Toi, vraiment dans la voiture. Ça y est, il est essoufflé. Dépêche-toi le flic. Le flic comme par hasard il est bugué. Ce sera fait. Pas de problème. Nous ne devons utiliser nos armes qu'en dernier recours. Trop tard. Ok, donc ça c'est fait. Oui, demandez au secours d'emmener tous les... Donc toi tu vas pouvoir retourner là-dedans, toi aussi. Il va me falloir un véhicule médical et une ambulance. Ici on a un accident de la circulation, donc on envoie une voiture de police. Ici, on va envoyer demander aux urgentistes. Donc là il y en a un qui doit être désincarcéré je suppose. C'est ça, donc on va emmener un camion de pompiers. On va emmener une unité médicale. Tout de suite. Et on va emmener une ambulance. Tac. Okay. Système hydraulique, remarquez tous les véhicules endommagés. Donc il va me falloir aussi une dépanneuse. On va l'emmener tout de suite comme ça ce sera fait. Et voilà c'est parti mon kéké. Oui. Toi tu vas faire un HQ. Je suis avec vous. Tac. Et après on va... Ah merde non viens pas. Je l'avais oublié lui. J'écoute. Ok, toi tu peux faire un HQ par contre maintenant. HQ. C'est bon. Donc ça c'est cool. On a une unité qui est en route ici. Donc ça va, les deux unités sont l'une à côté de l'autre. Oh le flic il a pu s'arrêter mais bon c'est pas grave. On est ici, l'accident il est là et notre blessé il est là. D'accord, ouais bon en fait c'est vraiment à côté. Ok donc toi t'es là. Je suis prêt chef. Tu vas tout de suite faire la circulation. Ok, j'ai compris. Ok, ça c'est bon. J'écoute. Les pompiers, nickel. D'accord. Donc toi, toi, cisaille hydraulique, c'est you. C'est bon. Allez, hop, okay. Va me sortir le blessé de là. Ici, j'ai pas encore les unités médicales qui sont arrivées. Ça ne devrait pas trop tarder. Ici, tu vas venir là. Oui, tout de suite. Voilà. Toi tu vas me bloquer la circuit. Tac. Ok, une ambulance est sur place. Parfait. Donc l'ambulance tu vas aller là-bas. Et les autres ils sont déjà sur place aussi. Ça c'est cool. R. Tac. Ici aussi. Que se passe-t-il? Ok. Du coup, toi t'es désincarcéré, donc pour le moment bah tu vas attendre. Comme un abruti, mais tu vas attendre. Ok, les flics qui s'occupent de la circuit. Toi, le médecin, tu pourras rentrer à la base. Il va me falloir une autre ambulance. Et elle me coûte combien l'échelle? 2500. Donc après celle-ci, on va pouvoir acheter la nouvelle Ladder qui va donc nous permettre. C'est bon. nous permettre d'accéder à la nouveauté, enfin à un nouveau scénario. Donc je me dis que cet épisode là on va pas forcément faire de scénario. Parce qu'on a quand même déjà pas mal, on est déjà à 13 minutes je crois, je vais pas te dire de conneries mais j'ai estimé à peu près 10 minutes le temps que j'avais oublié. Donc on va essayer de gagner pas mal de ressources dans cet épisode et on verra. Donc toi tu vas au HQ, toi tu vas t'occuper de celui-là, toi celui-là et ici ça se passe comment? Ici il est pas soigné, toi t'as quoi? Toi t'es blessure par balle, ouverture, poumon perforé, ah quand même. Toi je sais pas ce que t'as du coup. Et toi tu as... Non, tu t'es pas décidé à me dire ce qu'il a? Si ça y est, traumatisme cervical, ok. Donc toi tu vas t'occuper de ça, il va me falloir une autre ambulance rapidement. J'attends les ordres, j'ai compris. Oui. Ok, allez dépêchez-vous. Allez Coco. Ok, donc toi HQ, toi tu vas y aller tout seul normalement. Toi, retourne là-dedans. Est-ce que ce véhicule là faut le prendre aussi ou pas? Je sais pas, je vais voir. Non, qu'un seul véhicule, ok, donc ça c'est bon. Toi, HQ, et on va demander tout de suite une ambulance dès qu'il y en aura une. Pour récupérer le dernier blessé. Et on n'est pas près de l'avoir cette ambulance. Allez hop, accélérer. Allez. Ok, c'est bon, j'ai une ambulance. Merde. Hop, elle est en route. Vous faites la circulation, ça c'est good. Bon après toi tu peux retourner là-dedans. Ok, good, donc ça c'est bon. Aujourd'hui, là, je vous l'ai dit, on va faire vraiment que... on va pas faire de quête. En fait, j'ai bien envie de si... Putain, une limousine, carrément. Pas de problème. Allez, hop, toi, retourne là-dedans. HQ. Oui, je suis avec vous. Oui, ok. SOS. Un incendie s'est déclaré. Cause inconnue. Oui, chef. Éteignez-le et occupez-vous des dégâts éventuels. Incendie, hop, good, on est parti. On va se mettre le plus près possible. On va se mettre ici. Du coup, on a 3200, on a assez. Je pense qu'on est déjà bien avancé dans le temps. Ah, alors attendez, je vais voir combien de temps on en est, je reviens. Les amis. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais, j'avais oublié à peu près pendant 10 minutes. Donc on est à 18 minutes de vidéo environ. Donc on va continuer à essayer de gagner des crédits pour pouvoir acheter les véhicules par la suite. Comme ça au prochain épisode on achètera plusieurs véhicules pour accéder à la nouvelle intervention scénarisée. Qui sera fort sympatoche. Ouh, on a carrément des éoliennes juste ici. Ok. Coucou. Oh, petit bug de texture, enfin de collision. Donc là le feu va se propager à côté. Je vois pas de voiture de police, ça sert à rien. On a un seul camion incendie qui est en route, ça devrait suffire. Ok, plus 1500, ah quand même. Ok, donc ça c'est bon. On va se faire du coup, hop, sortez tous de là-dedans. Je veux du R là-dessus. Et toi du R à côté. C'est là le feu. C'est pas grave, allez hop, dépêche-toi. Vous dépêchez les enfants. Oui. Toi, retourne là-dedans. Oui. Ok. Ce sera fait. Ça y est, c'est parti. On commence l'extinction du feu, les amis. C'est good. Donc là, cet incendie-là a été éteint, mais il y en a un autre qui est en cours. Ok, ça c'est fait. Allez, on remballe. Nouveau véhicule d'intervention disponible, je sais, mais j'ai pas envie de les acheter pour l'instant. J'ai envie de gagner des crédits. Vous disposez d'un budget pour acheter de nouveaux véhicules d'intervention et de nouveaux emplacements dans votre base. Consultez le menu d'achat en haut. Pour voir l'effet de chaque amélioration, cliquez sur le point d'interrogation à côté de l'objet dans le menu d'achat. On va aller voir, a priori il nous oblige à acheter. Du coup, qui nous disent point d'interrogation, ça c'est quoi? Ça c'est pour acheter, ouais. La grande échelle, c'est pour la grande échelle. Ok, bon bah les amis, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'il veut qu'on achète un nouveau véhicule, on fera ça au prochain épisode. Justement, maintenant qu'on a amagasiné le maximum de crédits possible avant la future intervention scénarisée. Donc on est déjà à peu près à 20 minutes de vidéo, donc c'est un petit peu plus court que l'épisode précédent. Mais bon, on va pouvoir directement, moi je pense que je vais enchaîner là quelques 2-3 épisodes, je vais les enchaîner. Vu que de toute façon vous n'avez pas trop de conseils à me donner sur ce jeu, quoique si, peut-être des conseils d'utilisation pour optimiser le temps. Donc moi cet après-midi je vais enchaîner un peu les jeux, les vidéos, elles ne seront pas uploadées toutes en même temps, il y en aura peut-être une par jour ou une tous les 2 jours. J'en profite parce que j'ai pas trop envie de faire du Minecraft ni du Bus Simulator, j'en ai déjà assez fait ce matin, et du Mad Game Tycoon j'en ai déjà uploadé la veille, donc je verrai. Donc voilà les amis, on va se laisser là pour cet épisode. La prochaine fois donc on achètera tous les véhicules pour ensuite passer à la nouvelle mission scénarisée. J'espère que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo les amis. Allez bye bye.